Là où il y a les dealers de crack, il y a la meilleure coke. Le système, c'est simple, c'est en début de mois ou en fin de mois, tu te pointes avec une somme, t'achètes ta coke, et après, bah, tu t'aperçois que ceux qui t'ont vendu de la coke, ils vont vendre du crack de bonne qualité la première semaine, d'un peu moins bonne qualité la semaine d'après, puis quand on arrive au 10 ou au 12 du mois, tout le monde a acheté à ces mecs-là et a recuisiné lui-même son crack, donc soit au bica, soit l'ammoniaque, soit avec d'autres médicaments, notamment du sub. Et tu fais 200% de bénéfice, tout simplement. Sinon, si t'as de l'aspirine, enfin pas de l'aspirine, mais du doliprane, de la levure chimique, tout ce qui est bon, qui ressemble à du blanc, ben, tu peux le mélanger avec. La cocaïne, tu la bases, c'est-à-dire que tu mets un gramme de cocaïne dans une cuillère avec de l'ammoniac, tu fais chauffer le tout, une fois que le dépôt se fait sur le bord de la cuillère, tu récupères juste le centre, donc tu vides le surplus d'ammoniac et de dépôt. Ensuite, tu recommences pour avoir vraiment de la cocaïne très très pure. Et une fois que tu as fait ça, tu rinces avec de l'alcool, donc tu remets de l'alcool par-dessus les dépôts et l'ammoniac qui restent, ça chasse tout l'ammoniac et le dépôt au bord de la cuillère. Tu nettoies le bord de ta cuillère et une fois que tu as fait ça, tu rinces avec de l'eau. Quand tu as fait ça, tu as des petites galettes, des petits cailloux de crack. Et là, il est très très pur. C'est-à-dire que tu en fumes un, t'es éclaté quoi, pour 2 ou 3 heures. Vraiment, pas comme ce qui se vend dans la rue. Pour moi, je vends pas. C'est le meilleur moyen de fumer un truc qui est bien et qui va pas trop t'abîmer entre guillemets et puis que tu connaisses quoi. Je vends jamais. Il faut pas vendre. Si tu consommes, tu vends pas. Tu peux pas faire les deux. C'est un principe. Moi, je mets les gens en relation. Ça s'appelle pas du deal. C'est association de malfaiteurs, tout ce que tu veux, mais c'est pas du deal. Tu mets en relation des gens qui ont besoin d'armes, de cocaïne en grosse quantité, ou d'acheter du crack en grosse quantité, ou de vendre des cartes bleues ou des papiers d'identité. Voilà, ça c'est régulé, ça fait de l'argent, vite et discret. À suivre sur arteradio.com.